Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de FTB. Et aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer d'abord les avancements avant de vous montrer un peu les machines de Harvester et tout ça. Alors bien entendu, il pleut. J'ai été chercher quelques arbres de Tinker qui permettent de donner un peu de slime. C'est du slime bleu. Et c'est, je les ai pris parce que justement, pour faire l'arc... Le slime, c'est ce qu'il y a de mieux, d'après ce que j'ai vu, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est du bois que j'ai utilisé pour faire mon couloir. Et ici, on a la porte que j'étais en train de faire au dernier épisode. Et j'ai avancé un peu. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas trop. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me reste encore quelque chose à peut-être à mettre ici, à cet endroit-là. Terminer là, ici, au niveau des fenêtres, ici et là, pour donner quelque chose un peu plus de profondeur. Bon, là, c'est pareil. Là, il va falloir que j'enlève la dirt et que je mette quelque chose pour donner aussi de la profondeur. Ici, c'est pareil. Sinon, au niveau de bâtiment, pour le moment, les bâtiments, ça n'a pas encore avancé, parce que j'ai pas trop eu le temps d'avancer au niveau des bâtiments. J'ai fait une plantation d'arbres. Ça, c'est... j'ai été dans le Nether et j'ai récupéré ces arbres-là qui sont du Darkwood. C'est Darkwood... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici, voilà, j'ai modifié le passage, mon entrée, parce que mon entrée, elle était sur le côté là-haut, jusqu'à présent. Elle était là, et je l'ai rebouchée. Comme on peut voir ici, elle est entièrement rebouchée. Elle est entièrement rebouchée, et je l'ai faite plutôt par là-haut, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt original. Bon, je la ferai peut-être autrement après par la suite, mais pour le moment, elle est ici, elle est... On va dire un petit peu blanqué si on veut. Elle est ici, alors j'ai avancé ici, je me suis fait un petit couloir, j'ai pas fini, c'est pour ça qu'il y a encore des plantations de Darkwood, parce que le Darkwood ça donne ça. Ça donne des planches bleues. Et ça fait. J'aime bien la teinte entre les planches de Sakura et les planches de Darkwood. Ici c'est du chêne, c'est du chêne classique. Qui est taillé en micro-blocs, ce qui fait que ça donne que la moitié d'épaisseur. C'est pareil ici, c'est que la moitié d'épaisseur. Ça donne un peu de relief, j'aime bien. J'aime assez le relief que ça donne ici. Bon, ici c'est de la stone classique. Il me reste encore le plafond à faire. Ici, il faut que je mette des dalles. Je vais y mettre des dalles, je pense que je vais y mettre du marbre ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de plutôt blanc. Voilà. Ici, bon, ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours la même chose. Je suis parti en exploration. Alors quand je suis parti en exploration, alors j'ai encore retrouvé une division civile. Avec 3, je devrais en avoir assez. Largement, je pense. Sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre en exploration? J'ai trouvé pas mal de choses, mais je ne sais plus trop ce que c'est. Parce que je les ai rangées. J'ai retrouvé des villages. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je sais plus ce que j'ai trouvé d'autre. Ça c'est les fruits, ça c'est... j'ai trouvé des safarinettes. Ça j'en trouve à chaque fois. J'en trouve à chaque fois des safarinettes. Sauf que ça c'est pas à moi, celle-là, ça c'est celle de Nocif qu'il faudra que je lui rende. Sinon, rien de spécial. Jusqu'à présent, rien de spécial. J'ai pas trouvé autre chose. J'ai fait un peu d'exploration, mais si j'ai trouvé... J'ai fait le tour des deux trous météorites qu'il y avait autour de ma base, enfin pas autour de ma base, mais de ce que j'avais déjà exploré. Il y avait des météorites que j'étais passé, mais j'avais pas exploré les météorites tout simplement parce que j'avais pas forcément une bonne pioche sur moi. Et maintenant, j'ai fait le tour des météorites et je retrouve plus le coffre. Donc j'ai récupéré des coffres, et qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas là, c'est là, voilà. J'ai récupéré toutes les 4 matrices utilisables pour appliquer d'énergie stick. Alors j'ai eu un coup de chance parce que je pensais avoir à chercher dans plusieurs météorites, parce qu'en général on en trouve une par météorite. J'ai trouvé celle-là dans un premier météorite, et j'ai trouvé les 3 autres dans la même météorite, dans le même coffre. Un coup de chance. Je sais pas, mais j'ai eu un coup de chance. Et c'est plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va
parler un peu de l'Harvester de Mind Factory Reloaded. Pourquoi l'Harvester? Bah, tout simplement parce que Fredo, hein, qui est déconnecté, je sais pas pourquoi. Fredo qui est déconnecté, il a du crash. Non, il nous a quitté. Tiens, c'est bizarre. M'a demandé de lui faire un petit setup pour pouvoir récolter automatiquement ces graines d'agricraft, hein. Et donc eh ben on va aller faire ça tranquillou. Alors je voulais faire ça avec lui, mais s'il est pas là ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il est parti ou quoi. Mais bah, je vais bien voir, hein, je vais voir ça avec lui. Mais bon, c'est pas grave, on va aller jusque chez lui. Bah, d'abord, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai besoin. Alors, ça c'est l'Harvester. Alors l'Harvester, hein, il n'est pas compliqué à crafter. L'Harvester, il est là. Hein, il coûte un peu cher parce qu'il faut deux haches en un var. Il faut des gold gear. Mais bon, ça va encore. Ça va encore. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ces pièces-là. Parce que ben, forcément, toutes ces. Comment je veux dire, toutes ces serres, hein, c'est pour mettre dans ces serres, et toutes ces serres sont en extérieur. La source d'énergie qu'il a, elle est à l'intérieur. Et c'était soit on tire des câbles jusqu'à toutes ces serres, parce que pour le moment, je refais un premier setup, hein, parce qu'il veut voir ce que ça donne. Mais par la suite, je vais faire un deuxième setup. Je vais faire un deuxième setup, enfin plusieurs setups. Sûrement sur ses serres, hein, parce que c'est sûrement ce qu'il va vouloir, pour avoir une récolte auto. Comme je disais, c'est ça qui m'a coûté le plus cher. C'est ça qui m'a coûté le plus cher, parce que, tout simplement, il faut énormément d'or et de redstone. Hein, si, on va voir, ça c'est de l'extra utility. Et ces pièces-là se craftent dans la machine qu'on peut voir là en bas. Hein, c'est la table de craft d'extra utility. On voit là qu'elle utilise 5 underperles pour ces pièces là. Alors c'est pas les pièces qui coûtent le plus cher, c'est pas ça. C'est surtout ça. Les transferts nodes qui permettent de transférer l'énergie. Hein, parce qu'on a 4 nœuds de transfert classiques d'éléments. Mais on a cette amélioration. Et ces améliorations là coûtent une fortune, aussi bien en redstone qu'en or, hein. Comme on peut voir là, il faut 2 améliorations de vitesse. Les améliorations de vitesse coûtent de l'or. Il faut encore cette amélioration là, où c'est qui coûte encore de la redstone et de l'or. Ça coûte relativement cher en redstone et en or, surtout quand on n'est qu'au début, hein. Bon, après on aura forcément les graines, on aura forcément les machines pour miner et tout ça, donc après on sera plus trop embêté avec ça. Mais pour le moment ça coûte un peu de sous. Enfin un peu de matériaux plutôt, pas de sous, mais pour le moment ça coûte un peu de matériaux. Bon, je vais aller jusque chez Fredo. Alors Fredo c'est par là, Fredo c'est là. C'est ici. Bon, me voilà arrivé chez Fredo, en compagnie de Fredo, pour aller faire son petit setup. Salut. Bouge de tous les sens. Il y a même décroché ta tête. Bon, c'est que tu veux que je te mette ça. Dis-moi tout. Alors, je vais te dire sur quelle serre. C'est à la serre numéro 13. À la serre numéro 13. C'est celle-là. C'est quoi qu'il y a dedans de la redstone? C'est quoi? Non, c'est de l'or. De l'or. C'est des pépites d'or. Des pépites d'or. Et eh bien alors, on va utiliser déjà un Harvester. Harvester. D'accord. C'est quel mode ça? Mine Factory Reloaded. D'accord. Alors, il va falloir le mettre. T'as du zombie dans le coin. Oui, dans l'autre terre là-bas. Attends, 2 secondes. Excuse-moi. 2 secondes. Ça devrait plus spawner normalement si t'as une torche. Eh ouais, mais là-dedans, si. 2 secondes. Non, ça suffit, oui! Ça suffit! Stop! Voilà. C'est bon. Ok. Bon, bah, l'appareil, il va falloir le mettre sur un côté. Au milieu d'un côté. Soit là, comme tu veux. Alors, tu vas me le mettre là. Ok. Bon, je sors dehors. Tac, tac, tac. Voilà. Ah merde! Je suis con. Je suis débile. Là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il est posé là, d'accord.
Voilà, c'est ça mignon. C'est la première des choses. Deuxième des choses, il va falloir qu'on fasse un petit trou en dessous. Voilà. Oh. Il faudra mettre, après tu remettras une déco, quelque chose comme ça, parce que de toute façon, là, tu vas avoir un coffre pour le moment. Alors ça, c'est fait. Alors ensuite, on va utiliser cette petite chose-là, que je vais mettre ici. Tac. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon. C'est beau. C'est un nœud de transfert. Ouais, c'est pour l'énergie, t'as vu? Mais c'est pour l'énergie. C'est pour l'énergie sans fil. Et pour je vais utiliser ces appareils-là, ces trucs-là. Tiens, vas-y, regarde. Attends. Un récepteur under. Voilà. Ouais. Voilà, bah tiens, ça je vais le mettre dans le transfert. Attends, je t'arrose. Arrête, je vais pousser. Ça y est, pousse. Tiens, voilà. Mange une côtelette. Oh, de la viande, il y a longtemps que je n'ai pas mangé. Mais j'ai pas faim. J'ai pas faim. Oh, c'est pas grave. Eh, hey, tu la mangeras plus tard. Attends, je sais. Je vais T'essaies de sauter? Ah. Baring, 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 baring. Ça y est. Voilà. Tu veux un coup de marteau? Ça y est. Ah, elle était bonne, ta côtelette. Oui, t'as vu? Elle était je l'ai fait bonne. Bien cuire. Hein. Ouais, c'est vrai. Sérieusement, c'est vrai. T'es un bon cuisinier. À la lave. D'ailleurs, c'est quand ouvres ton resto, là hein, parce que... Bientôt, bientôt, bon, bientôt, bon. Bientôt. Moi aussi, je suis en plein hype. J'attends. Bon, du manque de lourd. Ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant on va aller de l'autre côté. Là où c'est qu'il y a de l'énergie. L'énergie elle est dans ta maison. Ta maison elle est où? Je suis perdu là. Mais non. Là, ma maison elle est là. Ah parce qu'il faut rejoindre tous les machins. C'est pour ça que j'ai utilisé. Ouais. Bah oui, il faudra de l'énergie. Il faut alimenter en énergie. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai utilisé un truc là, de l'under là, parce que ça permet de transférer l'énergie sans conduite. Donc on va. Eh oui. C'est que t'es un malin. Voilà, je vais le mettre en dessous, comme ça il se verra pas. Il sera caché. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai mis le transmetteur. J'en mets des cailloux là-dedans. Oh, t'as mis des cailloux, tu feras gaffe. Ouais, je vais me faire mal aux pieds. Tu m'étonnes. Pourquoi il manque un caillou? Ah bah je sais pas. C'est pas grave, je le remettrai, t'inquiète pas. Oh, de toute façon t'as une torche, alors, ça se verra pas. Oh. Oh, je sais plus mettre les blocs. Voilà. Je sais plus bloqué. Ouais, c'est ça. Bon, là, ça faut pas que tu regardes. Faire. Là, l'énergie, elle a envoyé directement sur le l'harvester, le récolteur. On va appeler ça le récolteur, c'est plus simple. Alors, la serre numéro 13. La serre celle-là. Numéro 13. Celle-là, j'y suis. Voilà. Je suis. Voilà. Bah, tiens, regarde, j'en ai déjà ramassé. Vas-y, fais arroser. Tu peux faire arroser là ou quoi? Non, j'ai l'arrosoir si tu veux, mais. Eh ben attends, donne-moi l'arrosoir. Je fais arroser, tu vas regarder, ça va sortir, tu verras. Ouais, mais regarde, ça récolte que là. C'est normal, c'est normal. Ah bah d'ailleurs, c'est bon, oui, c'est bon, bah tiens. Oui, c'est bon, tiens, ça y est, regarde, ça a craché derrière. Ça crache derrière. Regarde, maintenant je vais rajouter je vais ajouter justement ça. Qui est un truc qui permet d'augmenter la surface sur laquelle il est. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé tes serres elles font combien? Parce que ça, ça va permettre de récolter de la surface de ta serre. Voilà, tu mets ça dans la machine directement, tac, et tu vas voir, ça va cracher du lingot. Rien. Pas du lingot là. Ah ouais. Maintenant tu prends ton. C'est excellent. T'as vu un peu? C'est bien pensé. Hein. Tu prends ton petit coffre et tu le mets par exemple ici. Mais c'est pas un coffre? Ou ton barrel. Ah, donc va falloir que je revoie toutes les structures de mes trucs alors, de mes blocs, de mes serres. Après tu pourras utiliser des conduites, hein, admettons tu peux utiliser des conduites d'Under IO pour les amener jusqu'ici, pour laisser ton barrel ici. C'est possible. Ça c'est le setup de base, après c'est en fonction de comment tu veux faire, ça c'est le setup minimum. D'accord. Parce que là c'est pareil. Je regarderai ça,
Voilà, là j'ai utilisé les fameux transfert nodes avec les récepteurs de Lander et tout ça, d'extra utility. En temps normal, j'aurais utilisé les Tesseract de Thermal Expansion. Parce que les Tesseract, c'est le top. Parce que ça transmet l'énergie, ça transmet les items, ça transmet tout. C'est le top. Tu peux pas faire mieux. Si, il y a Under.io qui fait la même chose, mais le Tesseract, j'ai l'habitude d'utiliser, c'est le top. Et le Tesseract, tu mets par exemple un Tesseract d'alimentation au niveau de ton énergie, tu mets un deuxième Tesseract ici. Ça va alimenter la machine, mais ça peut aussi récupérer directement les pépites et les renvoyer à un troisième Tesseract où tu sais que tu auras mis un coffre, admettons, dans ta maison. Tu ça vois peut être marrant, ça aussi. Ouais. Bon, le problème, c'est que le Tesseract, pour le moment, j'ai pas le matos pour le crafter, donc il faudra attendre un peu. C'est pour ça que j'ai utilisé les conduites d'extra utility, parce que ça marche bien pour le moment. Seulement, il faudra que tu te contentes d'un setup comme ça. Ouais, ouais, ça y a pas de souci, je vais essayer de trouver un truc. Par contre, une fois que c'est plein, ça risque quelque chose après? Non, non, là, ça fera rien de plus. Ça marchera plus, quoi. Si mon barrel est plein, ça fera rien de plus. Je sais plus, je crois qu'il va les cracher à l'extérieur, il me semble. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Après, il y a le... Okay. Bon, pour le moment, c'est pas très gênant. Parce que t'as le... Tu vois, regarde, quand tu cliques sur la machine directement, il y a une jauge où c'est que c'est du sludge. Voilà. Ce truc-là, en fait, si tu veux, c'est les résidus. C'est les déchets, c'est les résidus. Et ça, tu peux le renvoyer directement dans un truc qui permet de recycler les sludges en ce que tu veux. Enfin, en ce que tu veux, non. En des items random, je crois. Et, mais si ça, c'est plein, c'est pas très gênant non plus. D'accord. Ça va récolter juste moins vite, c'est tout. Donc, on va dire qu'au lieu de récolter tout d'un coup, ça va mettre un tout petit peu plus de temps. Mais c'est à peine gênant étant donné la surface de ta serre. Okay. Donc par la suite, après, quand tu pourras faire, quand tu auras tout ce qu'il faut, les Tesseract et tout ça, on pourra te faire un plus gros setup, un truc qui va te récolter, un truc de malade qui va faire crasher le serveur. Ouais, c'est clair. D'accord. Voilà. Bah écoute, moi ça me va. Alors maintenant, le problème existentiel, c'est combien tu me vends cette machinerie? Bah j'espère que t'es bien assis, parce que ça va te coûter une petite fortune. Là, je suis assis. Allez. Bah écoute, la machine, l'harvester, normalement, il vaut pas cher. Je vérifie. Ouais, donne-moi ton devis. Parce que si c'est trop cher, bien sûr, tu le reprends. Bah, pas de souci. Je reprends. Pas de souci. L'harvester, il utilise de l'or et de l'invar. Bon, ça, c'est pas excessivement cher. On va dire 300 coins pour l'harvester. La conduite, par contre, là, la conduite, celle-là, elle coûte très cher. Elle coûte très cher parce qu'il me faut beaucoup d'or pour la crafter. Je regarde. La conduite que je regarde. La conduite, elle est là. Il faut les nœuds de transfert, il faut cette amélioration là, qui coûte quand même pas mal de redstone. Donc on va dire 150 pour la chaque conduite, ça fait 300. Je compte le machin avec, ouais, ça fait 300. Donc ça te fait 300, ça te fait 600 au total. 600 au total ? Ouais. D'accord. Alors celle-là, je vais te l'acheter. Et après, il faut que je te dise combien je t'en commande. Mais bien sûr, tu auras le temps. T'es pas obligé de me les faire de suite, hein. Alors déjà, je t'achète celle-là, 600. Hop, 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 hop. Ok, t'es où? Viens là. Viens là, je te dis. Hé, hey, pique pas mon XP. C'est pour celui qui m'a piqué. Je te l'avais rendu, moi. Donc voilà tes 600 balles. Ensuite, faut que je regarde. Ok, alors attends, je te fais mon petit calcul vite fait. Hop. Bah écoute, moi je t'en commande 7. 7. Ouais, déjà. Eh ben, 7, je suis sûr de te les payer. C'est cool. Donc je t'en commande 7 et voilà. Je te mets l'argent de côté et voilà. Eh ben écoute, je te fais ça et puis voilà. Ok. Pas de soucis, mais après t'as le temps, hein, parce que étant donné que voilà quoi. On va juste espérer que l'énergie arrive à suivre. On va surveiller l'énergie, voir si elle arrive à suivre.
pas de souci. Sur 7, parce que là sur 1 c'est assez bon, il n'y a pas de souci. Mais sur 7, il est possible que le générateur ait un peu de mal. Donc au pire, il faudra peut-être en faire un deuxième. Ouais, je pourrais l'augmenter, c'est ça que je voulais dire. Bah, faut en faire un deuxième, c'est tout. T'en fais un deuxième contre, okay. Et puis c'est fini. On fait un deuxième setup comme ça, c'est bon. Ok. Bah écoute, voilà. Merci beaucoup d'avoir pu marchander avec vous, mon cher monsieur. Mais de rien. Et tant mieux. Voilà, et n'oublie pas, c'est garanti 6 mois. Hein. Ouais, main d'œuvre comprise. Main d'œuvre comprise. Ok. D'accord. Donc moi après je peux, ouais, il faut que je regarde juste pour le setup pour ouais, pour comment je fais ça après du coup. Okay. Ok. Oui, après je te dis, on peut déplacer avec les conduites d'Underio, tout ça machin, on peut faire quelque chose d'autrement. Je te dis là, c'est vraiment le setup de base que je t'ai fait. Comme ça tu vois comment que c'est fait. Ok. Et les trucs d'Underio, c'est Nocif qui les a, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais il les vend au spawn, donc ça c'est pas un souci. Ah d'accord. Il faut au spawn. Il y a tout ce qu'il faut au spawn pour ça, donc il y a pas de souci là-dessus. Ok, d'accord. Et pour la raccorder, c'est simple, hein. Je fais de l'un à l'autre et basta. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon. Ok, mais je vais regarder ça alors. Ok. Je vais étudier tout ça. Ok. Et merci pour tout ça. De rien. Sur ce, les amis, on a vu à quoi servait l'harvester, hein, le récolteur. Je vais l'appeler le récolteur, c'est plus simple pour moi parce que j'ai un peu de mal avec le harvester. Voilà. Donc avec ça, ça va automatiser toute la récolte de Fredo, qui n'a plus besoin de se soucier d'aller les récolter. Hein, ça récolte automatiquement et ça va les stocker directement dans son barrel pour le moment. Hein. Par la suite, il va sûrement utiliser un système de récolte, enfin tout au moins un système de stockage plus performant ou aussi bien augmenter ses barrels. Hein, parce que s'il augmente pas ses barrels, ça va aller très vite. Hein, parce que c'est tous les graines 10-10-10 d'après ce que j'ai compris, ou quasiment. Donc ça récolte très vite, ça pousse très vite et en plus quand il les arrose, c'est... Bah ça pousse quasi instant, quoi. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu hein, pour me soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si ça vous intéresse de suivre mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, les amis.